J'ai eu une implication discrète à la municipale et à la défense de l'environnement. On m'a vu quelquefois au conseil municipal ici, mais je ne peux pas dire que j'ai été de la plus grande assiduité. Mais déjà, dès les premières années où j'ai habité Saint-Bruno, ma sensibilité par rapport à la question de l'environnement, de la défense de la montagne, m'a fait participer à des rencontres, notamment d'un groupe de défense de la montagne, à l'époque qui visait la préservation de Mont-Saint-Denis, l'élargissement, notamment par le rachat, la sensibilisation des municipalités au rachat des oiseaux autour de Mont-Saint-Denis. À cause du caractère de préservation, les biologistes nous disaient à l'époque, c'est que la vocation du parc du Mont-Saint-Denis de conservation ne peut pas tenir si on élargit largement les frontières du parc. Ça, je pense, c'est autour de 1995. Je suis certain que même on avait un discours comme celui-là avant même que je participe à ce que je veux. J'ai eu une conversation avec mon conseiller municipal, M. Hertin. Je pense que c'est pour le faire que la rencontre soit par une belle note pour cette précédente. On a discuté ce qui ressortait, puis là, on discutait notamment de par rapport aux voisins des hirondelles, où on disait, bien, c'est pas vraiment la vocation de la ville de défendre les milieux naturels comme ça. La ville a une vocation de faire du développement, de défendre les milieux naturels, ben, de dire des lois pour ça au niveau provincial, qu'il fallait plus aller dans cette direction-là. Cette vision-là, d'après moi, c'est une vision des années 60, mais pas une vision actuelle. Là, on parle, il y a une commission que vous avez mise sur pied, l'Institut du Nouveau-Monde, où j'ai participé, j'ai déposé un mémoire, comme j'avais fait précédemment autour du parc, là, comme il y a eu la question de la tarification plusieurs années auparavant, en l'an 2000, je me souviens. Donc, parce que je trouve cette question-là importante, effectivement, je trouvais l'ouverture qui était faite de la ville intéressante de ce côté-là, d'aller chercher un point de vue citoyen sur la question. Ce qui s'est dégagé à ma lecture de ce mémoire-là, les recommandations de l'Institut du Nouveau-Monde, je me souviens plus du président, mais c'est ceux qui faisaient ça, c'est qu'il y avait quand même un consensus social sur la question du boisé des hirondelles, qui avait une valeur de symbole, mais plus que de symbole, mais qui avait une valeur de symbole aussi, que c'était un boisé, qui était un enclave dans le parc, et qu'effectivement, il valait la peine d'être défendu. Pour sa valeur intrinsèque, qu'il fallait continuer à évaluer, mais qu'il y avait une valeur. Depuis ce temps-là, on se propose, je pense, ce soir, d'adopter un plan de conservation. Puis à la lecture que j'ai faite, je ne vois pas de grande différence par rapport au plan initial. Mieux présenté, mais sur les objectifs, pas vraiment de grande différence. Alors, moi, la question que je pose, c'est à quoi sert de consulter les citoyens si le conseil municipal doit aller à l'encontre des recommandations et des consensus citoyens qui se posent. Si on pense que la politique est importante, il ne faut pas augmenter le sinistre, je crois adopter le plan tel qu'il est actuellement, sans notamment protéger ce voisin-là, c'est d'augmenter le sinistre et c'est pas simple de démocratie militaire. Alors j'aimerais avoir une réponse là-dessus. J'avais une deuxième question, est-ce que c'est possible de poser une deuxième question sur l'autre sujet? Ou c'est une question par rapport à. L'autre question, c'est par rapport au plan d'eau, au plan d'eau de la Goyer. J'ai remarqué cet été qu'il y avait des embarcations sur ce plan d'eau, qui était apparemment posté près des gros ponts d'eau de luxe, des gros ponts d'eau de luxe, qui viennent d'être depuis des années. Jusqu'à présent, ce que j'avais comprendre, c'est que ce plan d'eau, il ne fallait pas l'énergie, il ne fallait pas y aller, avec une suite d'amendes importantes. Alors, la question que je veux poser au conseil municipal, c'est est-ce qu'on a pris un accès public à ce plan d'eau-là pour qu'il puisse profiter à tous les citoyens de Saint-Bruno ou il va falloir être riche et acheter un fonds d'eau pour pouvoir avoir accès à ce plan d'eau-là. Moi, je compare à plusieurs blocs d'un canton d'eau qui les citoyens ont des accès publics. On s'entend que les plans d'eau qui sont sur la montagne, on a un souci de conservation et on ne va pas profiter de ces plans d'eau-là. Mais là, c'est un plan d'eau au cœur de la ville et je pense qu'il devrait y avoir un essai public. Merci. Bien, bien entendu, M. Mouquin, on a fait la consultation publique, je suis d'accord avec vous. On a entendu les présentations des différents citoyens. Comme on l'avait dit à l'époque, l'objectif de la ville, c'était de préserver 5 types de milieux naturels. Cet objectif-là n'a pas varié.
Nous avons quand même répondu à plusieurs demandes qui avaient été faites au moment des consultations en termes, par exemple, d'actions précises, d'échéanciers, de cibles, d'états de référence. Alors, je pense que le travail qui a été fait au cours de l'année a permis d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là, suite aux consultations. J'entends que, évidemment, la question du boisé des hirondelles n'a pas été réglée à l'intérieur de ce plan-là. Ce n'était pas le but du plan. Le but du plan, c'était d'établir les actions que la Ville voulait poser dans un cadre de développement durable, écologiquement soutenable, équitablement, socialement équitable et économiquement viable, la protection de 5 types de milieux. Alors, on prend les moyens pour arriver à cet objectif-là. Mais bon, pour nous, comme on le dit dans le plan, le boisé des hirondelles, pour des raisons, dans l'ensemble, pas simplement, surtout économiques, n'était pas possible pour nous. La ville l'avait déjà dit de l'acheter. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des actions conséquentes pour arriver à préserver les autres types de milieux. Dans ce sens-là, je pense que le plan de conservation répond à cet objectif-là. Pour ce qui est la question du lac Goyer, le lac Goyer, c'est un lac de propriété privée. Alors, évidemment, ce sont les propriétaires ont un accès à leur lac puisque ça leur appartient. Mais la ville, quand même, a une piste cyclable qu'elle partage avec des points de vue sur le lac. Le lac est une propriété privée, donc on ne peut pas permettre à tout un chacun d'aller voguer sur le lac parce qu'il y a une question pour eux de sécurité. Merci.